C'est un intrus. Ce que le Messie appelait un voleur. C'est lui qui est venu s'établir là, avant moi, c'est un voleur, c'est un brigand. Parce que le Messie, ce sont les caractéristiques du Créateur dont l'esprit humain doit être dépositaire, dont l'intrus est venu prendre cette place-là. Et pour étouffer l'esprit humain, pour s'opposer à ce que l'esprit humain ne rentre pas dans son identité. C'est ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, quand nous sommes habités de cette personnalité, je dis bien, quand je pense mon identité, ça ne renvoie qu'à celle-là. Hein? Ça ne renvoie qu'à cette personnalité-là. C'est-à-dire, quand je pense mon identité, ça ne renvoie qu'à ça. C'est-à-dire, très souvent, quand nous disons je, le je dont nous parlons, s'il ne renvoie pas au Créateur, il renvoie à ce vieil homme. Je, on dit, il ne m'aime pas. Il est méchant. Ce n'est pas le corps qui parle, c'est le vieil homme à l'intérieur qui s'exprime. C'est Satan. C'est-à-dire, il ne m'aime pas, ça veut dire qu'il ne se soumet pas à mes intérêts. Vous voyez bien? Il ne se met pas au service de mes intérêts, il est méchant. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas demander à ce vieil homme de manifester les qualités du Créateur. C'est impossible. Il n'est même pas fait pour manifester les qualités du Créateur. Donc vous allez, je sais pas, peut-être c'est dans, oui, c'est dans Romains 8, où il est dit que la chair ne peut pas se soumettre. La chair, c'est ce vieil homme, hein, cette personnalité, ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle n'est même pas faite pour se soumettre à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rendus conformes au Messie, c'est-à-dire dit ceux qui sont sortis de l'embryon et qui sont rentrés dans leur identité. Dans le Messie. Il n'y a pas de condamnation, parce qu'ils sont porteurs de l'identité du Créateur, ils n'ont de pouvoir que pour se soumettre au Créateur, pour s'identifier au Créateur. Et il dit par ailleurs, cela, la chair le rendait impossible. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se soumettre au Créateur. Donc quand on parle de la chair, on parle donc de cet intrus qui a été construit en nous par plusieurs mécanismes. À la maison, la famille et tous les maillons de la société. C'est ce vieil homme qui est construit. Voilà. Et c'est ce vieil homme qui se sert de lui-même à l'extérieur. Je disais ce matin, quand on a une fonction, ce n'est pas l'esprit humain qui occupe la fonction, c'est le vieil homme qui est construit dedans. Je veux dire une fonction hein, dans la société. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ce n'est pas l'esprit humain. C'est que l'ignorance, l'aveuglement nous a fait croire que c'est l'esprit humain qui occupe la fonction. Non. L'esprit humain, s'il rentre dans ses facultés, il n'est soumis à aucun royaume. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il n'est soumis à aucune. C'est lui qui est la principauté après le Créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est lui, j'ai dit bien l'esprit humain. Donc c'est le vieil homme, c'est pour ça bien que, si vous voyez très bien, le mécanisme qui nous amène à occuper une fonction, c'est que quand tu rentres là, à partir du sein maternel, tu es sujet à une éducation. C'est-à-dire qu'à la base, les parents te donnent les ressources dont ils sont dépositaires à partir des premiers repères. Et puis de l'autre côté, cette personnalité qui est construite, la société doit la renforcer. Voilà, mais comme j'ai dit, la société c'est l'esprit. Donc elle doit garnir ce personnage à l'intérieur qui vient de lui, doit le garnir de ses facultés. Donc selon le degré d'évolution que vous avez, vous occupez une fonction. Mais pendant ce temps, le vrai, l'esprit humain, il est en dehors de son identité. Il est dans l'embryon. Quelqu'un qui est dans l'embryon, peut-il occuper une fonction? Par définition, quand vous êtes dans l'embryon, ça veut dire que vous êtes infirme. Vous n'avez pas encore développé des facultés nécessaires qui puissent vous rendre productif. N'est-ce pas? Même par rapport à la société, si vous ne développez pas les facultés reconnues, pouvant vous rendre productif, est-ce que vous pouvez occuper une fonction? Non. Donc c'est bien de
comprendre. C'est pour ça que le Messie disait, heureux, c'est lui qui est conscient de son état. Si on n'est pas conscient de ça, on ne peut même pas demander le secours. Oui, on ne peut pas demander le secours au Père. Donc c'est ça, le vieil homme. Donc pendant ce temps, le vrai homme est dans l'embryon. Domestiqué là. Le temps peut passer, je peux occuper les fonctions subalternes, je deviens un grand responsable, je deviens jusqu'à président de là. Mais ce n'est pas l'esprit humain qui occupe les fonctions. C'est le vieil homme construit à l'intérieur. C'est lui qui occupe les fonctions. Parce que ce sont les fonctions de régulation de son mécanisme d'emprisonnement. Les esprits. C'est pour cette raison que le Messie disait « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Vous savez pourquoi? Pourquoi il a dit? Parce qu'on voulait lui donner quoi? Une fonction. Fonction de quoi? Pas la fonction subalterne. Hein? On voulait faire de lui le président. Sur le plan, pour utiliser les termes modernes. Mais qu'est-ce qu'il sait? Il a fui. Parce que les facultés dont le Père a doté le Messie, ce n'était pas pour réguler le système esclavagiste, mais c'était pour faire avancer le royaume de son Père. Sortir les individus du système esclavagiste pour les amener vers le royaume de son Père. À la liberté. À la liberté. Ce ne sont pas les mêmes vocations. Ce sont deux royaumes, mais chacun a sa vocation. Les vocations ne sont même pas complémentaires, mais parallèles. Bien sûr qu'il y a le suprême qui canalise tout le reste. Donc on le comprend. Donc ça veut donc dire que si le moi dont je parle, le moi, renvoie au faux, c'est-à-dire au vieil homme, je suis doté de tout ce dont j'ai besoin pour être incapable de marcher dans les voies du Créateur. Ce n'est pas, je ne peux pas y marcher. Voilà. Parce que dans la politique même aussi des nations, c'est de nous doter de la personnalité qui nous rend incapables de marcher dans les voies du Créateur. C'est-à-dire faire, si vous voulez, faire de nous des infirmes. Parce que c'est la bonne manière de construire les infirmes. Parce que le vieil homme garde, c'est un infirme. Puisque nous avons dit, le vieil homme renvoie aux caractéristiques de Satan. Satan peut-il manifester les caractéristiques du Créateur? Non. C'est un infirme par nature, par définition. Et il est infirme et il garde le vrai dans l'infirmité. Parce que c'est le vrai qui doit développer les facultés qui viennent du Créateur. Donc il doit sortir de l'embryon pour grandir. Mais pour cela, il faut, comme nous le disions ce matin, c'est ce que le Messie était en train d'acquérir par l'éducation que son Père lui donne. Parce qu'éduquer, c'est transposer l'identité. C'est ça. Donc, comprendre le vieil homme, je vous laisse aussi la parole pour voir si même vous avez des questions pour que nous évoluons. Pour simplement comprendre quand on dit le vieil homme, qu'est-ce que c'est et comment il a été construit. Donc nous en tant que parents, étant l'incarnation ou la forme matérielle du vieil homme, nous avons participé à bâtir le vieil homme. Oui, à construire le vieil homme dedans. Comme un des maillons de la société, comme je dis, hein, parce que la famille, c'est un des maillons de la société. Si vous voulez, c'est même le fondement élémentaire de la société. Parce que si vous n'avez pas la famille, vous n'avez pas de société non plus. Puisque la société, c'est l'expression plurielle de la famille. Voilà. Parce que très souvent, quand on dit la société, on dit, mais la société est méchante. Mais tu poses la question à tout le monde. C'est toi qui es la société. Tu dis, non, c'est l'autre. L'autre dit, non, c'est pas moi qui ai la société. Finalement, tu vas voir que personne n'est la société. Donc, il n'y a pas de société. Pourtant, la société, c'est nous. Ça aussi, la transmission au niveau de l'héritage, parce que c'est ce qu'on a qu'on transmet sur les enfants. Oui, mais bien sûr, c'est même de ça que je parle, frère Daniel. C'est qu'en fait, si vous voulez, ce que voir, en fait, vous verrez bien que lorsque le Messie sort des eaux du baptême, pour nous instruire, hein, on dit les cieux s'ouvrent et la voix du Créateur s'y fait entendre. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, si vous traduisez bien, à qui j'ai fait
tout hérité de moi. C'est pas, vous voyez bien, tout hérité. C'est-à-dire, je lui ai tout donné de moi. C'est-à-dire, au moment où il le dit, les Écritures disent que on voit l'Esprit qui descend sous la forme de la colombe, qui se pose sur le Fils. Mais c'est quoi l'Esprit? Mais ce sont des éléments constituant la personnalité du Créateur. Donc, en fait, pour le Créateur, ce qu'il a comme richesse, c'est ce qui constitue sa personnalité. Et c'est ça qu'il fait hériter son fils. Donc, ce que nous avons comme richesse à faire hériter, en premier, ce n'est pas les éléments extérieurs, mais c'est ce que nous sommes. C'est ça l'héritage. Donc, quand le Créateur dit que nous sommes ses héritiers, ce qu'il vous donne en premier, c'est ce qu'il a. Parce que pour lui, nous sommes, si nous sommes des esprits, nous sommes appelés à porter son identité. Vous voyez bien, donc chaque parent veut faire hériter à ses enfants la somme d'attributs à partir desquels il s'est défini. Mais seulement, les attributs de notre définition identitaire ne sont pas extérieurs. C'est ce que nous sommes. Donc c'est ce que nous commençons à donner aux enfants. D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez, c'est ce que nous comprenons, nous le donnons. Et vous allez voir, petit à petit, les enfants deviennent haineux, jaloux. Ils convoient parce qu'ils manifestent ce que nous leur avons donné comme compréhension. Ce sont les héritiers de la société, c'est-à-dire de Satan. Mais ce que Satan est, c'est ça qu'il transpose. Et puis nous manifeste. Vous voyez bien une civilisation qui manifeste entièrement ce qu'il est. Donc c'est, normalement c'est l'héritage. Mais simplement il faut le comprendre. C'est ça le vieil homme. Oui. C'est ça le vieil homme. Et je n'ai pas bien regardé la vidéo, mais en fait, ceux qui ont regardé, je ne rapportais un projet qui était décrit par quelqu'un en France que les gens connaissent très bien, un philosophe qui a été un ministre de l'éducation, et donc qui disait, en fait, parlait du projet de la fabrication de ce qu'ils appellent des êtres exceptionnels. Améliorer, si vous voulez améliorer l'homme. Bon, on parle là des êtres, des intelligences, on peut dire artificielles comme on parle. Donc on doit arriver donc à un niveau où on fabrique un type d'homme, donc le robot si vous voulez, capable de manifester la jalousie, les haines, parce que ça fait partie de l'homme, et ils comprennent ça. Mais c'est ça l'héritage des nations. C'est ça l'identité des nations. Donc finalement, quand tu vas voir un psychologue, tu dis, je ressens la haine en moi contre l'eau. Il dit, mais c'est normal. C'est normal. La haine, c'est normal. Il faut simplement mieux la canaliser. Et on ne vous a pas encore dit ça? Ben oui. Vous allez voir un psy, puisque lui-même aussi est canalisé par la haine. Comment il peut vous dire que ce qui fait sa personnalité n'est pas normal? Je ressens en moi la jalousie, la colère. Il dit, c'est normal. Mais c'est naturel, la colère. Si tu n'as pas en colère, si tu ne ressens pas la rivalité, mais si tu n'es pas normal. Donc, c'est l'héritage des nations. C'est même ce qui est transposé à l'école. On apprend aux gens la rivalité. La compétition. Oui. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça, c'est Satan. C'est ça le vieil homme. Vous voyez? Bon, maintenant, notre maître, l'homme réel, quand il rentre là, dans l'embryon, il est dans une autre école qui transpose en lui le caractère de son père. Donc c'est naturel qu'il manifeste le caractère dont il est dépositaire. Donc, on l'entend même très souvent, on dit, mais quand quelqu'un est, il est colérique, on dit, il a un caractère fort. Il dit, j'ai un caractère fort. Un caractère, vous voyez, c'est ça. Quelqu'un qui est haineux, on dit qu'il a un caractère fort. Donc, c'est ça, le diable. Et nous le rappelions ce matin, vous allez pouvoir, en fait, on vous dit, à l'ONU, par exemple, on vous dit bien que l'éducation, c'est la connexion de l'humanité à la hiérarchie spirituelle, dans les démons. Donc ça veut dire que le but ici, comme nous entrons là, nous n'avons pas d'identité. Il faut qu'on nous en donne une.
Il faut qu'il nous la donne. Si le Créateur ne nous en donne pas une, la société va nous en donner. Mais qui est la société? Voilà. Et quand c'est l'identité de la société que vous portez, vous devenez inutile pour l'avancement, pour la réalisation du projet de votre père. Vous êtes inutile parce que vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas de qualité. De la même manière que si vous rentrez là, si la société ne vous donne pas une identité, vous êtes improductif. Vous n'avez pas de faculté pour pouvoir participer à construire un royaume puissant dans le monde. Quand vous allez chez un employeur, quand il vous interroge, il veut bien sonder vos qualités, les capacités que vous avez. Parce que ce qu'on paye, ce sont des qualités hein, que vous avez. Ce n'est pas votre tête qu'on paye. On paye les facultés dont vous êtes dépositaire. Vous voyez, comme quelqu'un le disait si bien, l'intelligence coûte cher, c'est l'intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est l'identité dont vous êtes porteur. Donc c'est ça, le vieil homme. Le vieil homme, c'est le diable. Oui. Ça, le vieil homme. Elle-même qui se paye, en fait. Voilà. Donc, on écoute très souvent, c'est-à-dire que le « moi », on peut l'utiliser 100 fois par jour. « Moi ». Moi, c'est ce que je suis. Ça renvoie à ce que je suis. Le Créateur est le fondement de la définition de l'identité. Normalement, quand le Messie disait « moi », ça renvoyait à l'identité de son Père. Vous voyez bien. Mais quand Satan dit « moi », ça renvoie à lui. Donc, il est le faux fondement de définition identitaire. Le faux fondement de définition identitaire. Quand le Maître dit « mon Père et moi sommes un », voilà. Donc, voilà ce qui va rendre le Messie capable de se soumettre à son Père. Parce que il n'a pas il n'a pas de lui une idée de sa personnalité hors de son Père. Donc, et comme les événements extérieurs participent à renforcer la puissance d'identité de son Père en lui, et comme il connaît la grandeur de son Père, il regarde même les événements comme une faveur. Parce que les événements l'amènent où? Dans la gloire, dans la puissance. Mais imaginez, quand nous avons en nous une idée de nous qui est contraire à celle du Créateur, nous nous estimons même plus importants que le Créateur. Donc, lorsque les événements viennent contre l'idée que nous faisons de nous, mais la réaction c'est quoi? Mais pourquoi il m'humilie? C'est Satan qui parle. Parce qu'il a une trop haute idée de lui. Il s'estime plus important que le Créateur. Et c'est lui en nous. C'est pour ça que nous ne nous soumettons pas humblement aux événements. Parce que pour nous, pour le faux, Satan qui est là, le vieil homme, sa prétention est que le Créateur soit à son service. Que les événements, tous les événements soient à son service. Donc c'est ce qui se passe. Une haute idée de soi, une prétention d'être plus important que le Créateur. C'est pour ça que ce prétentieux dedans, le vieil homme, il ne supporte pas les murmures, il ne supporte pas qu'on le critique, il ne supporte pas qu'on ne serve pas ses intérêts, vous voyez très bien, c'est ça. Mais ce n'est pas nous, hein, c'est Satan dedans, c'est lui. Parce qu'il se prend pour Dieu. Il ne supporte pas qu'on ne soit pas d'accord avec lui, comme le pape avait demandé l'exécution des Galiléens, parce que Rome dit que c'est le soleil, et c'est la terre qui tourne autour du soleil. Il dit non, Rome est infaillible. C'est l'intelligence par définition. L'autre dit non, c'est la lune qui tourne autour de la... C'est l'inverse, s'il vous plaît. Donc, il faut l'exécuter. Vous voyez, c'est ça. On ne supporte pas la contradiction. Donc c'est le faux qui est dedans. Mais quand vous voyez le Messie, ce qui le rend capable de soumission au Père, parce qu'il ne se considère pas en dehors de son Père, et alors, comme les événements l'amènent vers la gloire, il y a subordination. Et on peut dire donc qu'il était comme une brebis que l'on mène à la boucherie. Donc si le faux en nous ne meurt pas, c'est-à-dire Satan, nous ne pouvons pas rentrer dans ce type de rapport de confiance et de subordination à notre Père. Non, parce que Satan, pour lui, il est Dieu.
Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, quand tu le regardes, il faut que tout le monde se prosterne. Voilà. Il dit, Dieu est bon. Tout le monde me sert. Je suis le puissant. Je suis le plus beau. À partir de là, on a une fausse idée de nous sommes de petits dieux. Oui, c'est ça. C'est de là que ça vient. En fait, c'est de là que ça vient, cette fausse idée hein, de petits dieux. Ça dit plus loin même que, si vous voulez, des petits dieux, on le dit de manière verbale. Mais dans la prétention, on ne se considère pas comme des petits dieux. Vous voyez ce que je vais vous dire hein? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que ce matin, quand je marchais, je réfléchissais encore sur ça, c'est que le faux qui est dedans, le vieil homme, il est pervers. Il est rusé. Il est capable de camoufler sa personnalité sans que l'individu même qui en est, qui en est victime, puisse le déceler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit l'intelligence venant du Créateur, les facultés que le Créateur a pour découvrir comment Satan se cache. Parce que Satan ne se prend pas pour un petit Dieu. Il se prend pour Dieu. Tout court, la force absolue. Voilà. Parce que vous le verrez dans la réaction, sa réaction en nous, dans la contestation de tous les événements, sauf ceux qui rentrent en compte avec les autres. Ils contestent. Et vous croyez que c'est nous? Mais non, mais c'est lui qui est en action. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Mais si c'était possible que toutes les lois de la création lui soient au service, mais est-ce que on s'irriterait? Alors, oui. Mais est-ce que nous aussi, nous ne construisons pas ces faux repères dans nos enfants? Par exemple, quand on leur dit « tu es beau », c'est ça. Tu es intelligent, c'est exactement oh, tu es, on fait... On élève. C'est exactement cela. Mais c'est pour ça que nous disions, en fait, que les parents sont même les premiers prêtres. J'ai dit bien les premiers prêtres. Les parents, les premiers prêtres. Qui renforcent. Parce que le parent ne donne à l'enfant que sa compréhension de la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, parce que quand l'enfant vient là, nous avons dit premier mois, 6 mois, il ne sait même pas ce que c'est qu'être beau. Mais c'est le parent qui commence à lui apprendre c'est quoi être beau. Parce que le parent, lui-même qui est porteur d'une fausse identité, il y a derrière cette fausse identité les critères de beauté qui n'ont rien à voir avec la beauté réelle. Et c'est ça qu'il va commencer à martyrer l'enfant. Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu sois intelligent. Mais le parent, lui, porteur de l'identité de Satan, l'intelligent ne veut pas dire ce que le Créateur appelle intelligence. Vous voyez ce que... Donc c'est ça. Donc ça veut dire que le parent est le premier prêtre qui est utilisé par Satan pour construire sa personnalité dans l'enfant. C'est ça. Et ensuite, comme le parent n'est pas le seul intervenant, il y a la société. Le parent, c'est un des maillons. Il ne compose pas lui seul la société. C'est un des maillons de la société pour construire sa personnalité. Voilà. Je leur disais, en fait... Vous allez voir une société qui est en pleine mutation de compréhension et de conscience. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, 15 ans, les critères de beauté n'étaient pas les mêmes. Selon la région où je me trouvais, que les mêmes critères qu'on utilise aujourd'hui. Les critères de beauté aujourd'hui se sont universalisés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, les critères de beauté. Bon, mais ces critères-là ne s'appliquent pas à l'esprit de l'homme. Qui lui sait que ses critères de beauté, c'est être revêtu de la personnalité du Père. Ces critères de beauté se définissent à partir des qualités de l'homme extérieur. Satan qui s'exprime dans le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'aligner aux normes qui sont regardées, qui sont montrées à la télé. Or, derrière la télé, c'est qui? Vous avez la forme visible. Mon papa, qui à l'époque, au moment où il partait de son corps, il avait 100 ans. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait un âge très avancé. Bon, et lui me racontait très souvent, à leur époque, avant la venue de ce qu'on a appelé la culture, avant la venue des colons, ils avaient d'autres critères définissant l'intelligence, un homme intelligent.
Il y avait d'autres critères. Vous voyez, même si ces critères ne venaient pas du très haut, hein, voilà. C'est-à-dire un homme intelligent, me disait-il, c'était vraiment un grand sorcier du village, un gardien de la tradition. C'était le sorcier. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand il y avait un problème dans la communauté, il avait l'intuition, la capacité de vous donner des conseils qui vous aidaient à dénouer. Mais ils étaient considérés comme intelligents. Mais pourtant, ce sont des gens qui n'avaient jamais connu les principes de Pythagore, qui n'avaient jamais connu, vous voyez très bien. Donc ça veut dire qu'en fait, on était mais dans un autre univers. Donc c'est ça. La question. Donc, pour dire que les parents sont les premiers mêmes prêtres, les premiers prêtres à participer, à construire le vieil homme, saint homme. C'est ça. Et la société le renforce. C'est pourquoi nous le disons bien, l'État est conscient du fait que la famille est le fondement élémentaire de l'État. C'est-à-dire, c'est la structure la plus importante de l'État. Si tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'État. J'ai dit bien, c'est la structure la plus importante. Donc, je disais avant que les sœurs viennent que toute l'intelligence sociale est au service de la famille. Mais la famille, c'est une personne morale. Donc, finalement, progressivement, vous avez donc la forme plurielle de cette personnalité. Donc, cette personnalité dedans, elle se prend pour Dieu. Quand cette personnalité invoque Dieu, quand elle dit Dieu, c'est comme outil, comme instrument à utiliser pour satisfaire ses passions. Vous voyez ce que je vais vous dire? Oui, je vous dis, cette personnalité, quand elle dit Dieu, ce n'est pas dans un rapport de soumission, ce n'est pas dans un rapport de disparition pour que ce soit le créateur que je sois, mais c'est dans un rapport que je me sers de lui comme un instrument. C'est ça. Donc c'est un personnage subtil, pervers, rusé. Il peut utiliser les termes de Dieu. Tu vas croire que c'est dans la politique de subordination. Non. Mais c'est dans la politique de vouloir subordonner. Ça a été nécessaire. Parce que ce personnage se prend pour Dieu. Et vous allez le voir. Lorsque vous avez ce personnage avec les cornes dedans, même dans les relations de mariage fraternel, les relations de société, c'est en tant que Dieu pour exploiter le sujet, pour réaliser ses ambitions. Donc, ça veut dire que ce rapport ne se limite pas simplement au vis-à-vis du Créateur, mais vis-à-vis de la création.